fait, c'est ce que tu dis et tout à fait. Beaucoup de gens ont vécu ça. D'autres le vivent présentement. Il y a cette révolte que l'on peut avoir contre le Seigneur, contre le Créateur. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se révolter. La première, c'est parce que parce qu'on est blessé. On s'attend au Seigneur, comme tu l'as si bien dit, agisse d'une certaine manière. Et on s'attend aussi à des réponses rapides du Seigneur. Et quand ça tarde, parfois on se lasse, on se fatigue et on se met à murmurer. Et, mais dans la Bible, des grands prophètes ont vécu ce qu'ils ont vécu. Moïse, par exemple, a demandé même la mort au Seigneur parce qu'il n'en pouvait plus. Ça aussi, un moment, Dieu, j'ai dit, réponds-moi où tu me fais. D'accord. Et tu es encore jeune, tu as quel âge? 19 ans, tu n'as même pas encore commencé ta mission, tu vois. Donc honnêtement, et... En fait, juste pour revenir au contexte, c'est que j'ai vécu des épisodes très forts de la présence de Dieu, quoi, dans ma vie. Ça fait que c'est comme si, limite, je ressentais plus sa présence quand je venais de le rencontrer. Ok. Et je sais pourquoi, parce que on va dire qu'il y a besoin d'une impulsion au début. Effectivement, tu as tout compris. Mais le problème, c'est que ça me frustre de voir que bah, je vivais une intimité. Oui. J'ai l'impression de perdre l'intimité. Bien sûr. Mais regarde, tu sais, c'est une personne qui s'est convertie. Lors de la conversion, on vit cette présence intense du Seigneur et on plane pratiquement. Hein, et on a l'impression qu'on est au paradis. Et parfois même, on demande tout de suite au Seigneur de nous enlever hein, parce qu'on veut tout de suite aller au ciel et tout. Et puis, au bout de quelques mois, on se rend compte qu'on s'aperçoit que cette présence a comme disparu. Et on se dit, mais c'est bizarre, est-ce que j'ai péché ou quoi? Et je ne sens plus ces choses, j'ai plus de vision des songes que j'avais avant, et on est frustré. Et non, en fait, c'est comme un enfant qui, à la naissance, les enfants, les bébés sont constamment avec leur mère, les femmes sont tout le temps avec leurs enfants, ce qui est tout à fait logique. Voilà, les bébés ont besoin de cette chaleur maternelle pour pouvoir grandir. Mais arrivé à un moment donné, l'enfant va commencer à être un peu indépendant. Voilà, et la mère va de plus en plus laisser un peu l'enfant découvrir un peu son corps, son environnement. Mais cela ne veut pas dire que la mère n'est plus présente. Elle est toujours là, et le père est toujours là. Et en fait, il ne veut pas que nous marchions par les émotions, les sensations, les sentiments, parce que la foi n'a rien à voir avec une émotion, un sentiment. Et voilà, donc le Seigneur nous dit dans la parole que nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire, même si nous ne le sentons pas, il est là. Tu te rends compte, tu as eu la grâce de vivre des moments intenses dans sa présence, alors que je connais des pasteurs qui n'ont même pas vécu, ne serait-ce que la moitié de ce que toi tu as vécu. Mais c'est une grâce, tu vois, non? Et bien sûr. Voilà, donc toute cette présence que l'on expérimente à la nouvelle naissance, le Seigneur le fait exprès pour nous bâtir, en fait. C'est comme un fondement. On a besoin de ces expériences pour tenir, parce que la vie chrétienne n'est pas facile, parce qu'on marche à contre-vent. On est dans un monde où on nous dit qu'il faut marcher dans un sens, et alors que la parole te dit de marcher dans l'autre sens. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de cette présence. Mais rassure-toi, il est toujours là. Oui, mais je sais qu'il est toujours là. D'ailleurs, j'ai peut-être un truc à rajouter aussi. Mm-hmm. C'est que j'ai déjà vécu auparavant des moments où je perdais totalement ma foi. Mm-hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que j'oubliais les trucs que j'ai vécu et je m'en souvenais pas, enfin, ou je voulais pas m'en souvenir, je sais pas, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseils que je donne à souvent des gens qui perdent leur foi. Je leur dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre la présence de Dieu ou de vivre une grâce de Dieu? Et s'il me dit oui, je fais rappelle-toi et n'oublie pas, parce que c'est sur ça que tu dois te baser pour te dire il était réel, parce que c'est pas quelque chose que t'as imaginé. Est-ce que tu sais ce qu'il me dit pour toi? Il me dit de te dire que tu es pasteur. Tu vas... Regarde, ça c'est ce qu'il me dit de t'offrir. Et il va t'envoyer dans les nations, notamment dans les pays pauvres, appauvris, Amérique latine, Afrique, tout ça, pour annoncer l'évangile comme missionnaire.
tu seras entouré de beaucoup d'enfants, hein, des enfants qui des démunis, tout ça pour leur annoncer la parole avec ta future épouse. Donc, et c'est pour cela que l'ennemi t'agresse comme ça, là, tout ça. Là. Donc, parce que c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tu vois. Bah, il sait plus que moi ce que tu veux faire avec moi. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut avancer. Alléluia. Tu vois, jeune fille, jeune sœur qui est là, c'est une grâce. Et tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup, jeune fille. Je ne te connais pas, mais le Seigneur t'aime beaucoup. Tu as un cœur sur la main. Tu as un cœur pour aider, pour rendre service. Voilà, tu es quelqu'un qui, on peut te prendre pour une faux folle, tout ça, là, mais tu sais ce que tu veux et tu es déterminé à mettre des choses en place pour pouvoir aider les autres. Et le Seigneur va bousculer ta vie, va changer ton histoire, mais complètement. Voilà, tu seras de plus en plus comme du vent. Voilà, on ne pourra pas te saisir. L'Esprit du Seigneur va vraiment beaucoup te saisir et changer complètement ton histoire. Complètement. Et je ne connais pas ta relation avec ton père, mais le Seigneur va vraiment se révéler à toi comme un père qui va guérir ton cœur, qui va inonder ton cœur de la joie. La joie, la joie. C'est ce que le mot qui me revient. La joie du Seigneur sera ta force. Oui. Bonjour. Je ne sais pas comment formuler ma question, mais en tant que chrétien, je crois qu'on est tous censés annoncer la parole du Christ. Bien sûr. Mais de manière personnelle, en fait, comment on doit savoir dans la vie de tous les jours, de quelle manière on doit s'y prendre, parce que y a plusieurs manières. Je peux annoncer la parole avec ma famille, mon entourage, comme vous, ou alors d'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas comment... Comment s'y prendre ? Ouais. Voilà, parce qu'on est tous appelés en tant que chrétiens à annoncer la parole. Alors, il y a deux manières d'annoncer la parole. La première, c'est notre vie. Tu vois, avant de parler, c'est les fruits. Être un témoin, être une lettre. Regarde, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Alors, on va commencer à partir du verset 1er. Pour ceux qui ont cette version de la Bible, c'est la page 1369. 1369. La page 1369. Et je pense que vendredi prochain, on aura une veillée. Ça fait longtemps. Une veillée, une nuit d'action de grâce pour rendre grâce au Seigneur pour toutes les épreuves auxquelles nous avons fait face. Il nous a gardés. Il nous garde. Voilà, on a du choix ce vendredi. Vous voulez quoi? Samedi soir ou vendredi soir? Vendredi soir, hein? Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de l'Élohim vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur le cœur. Donc, justement, ta question va introduire le partage de ce soir, être une lettre. N'est-ce pas? Être une lettre, tout simplement. Alors, l'apôtre Paul écrit cette lettre, justement, aux Corinthiens, qui était très, très versatile. Les chrétiens de Corinthe, grec d'origine, était, comme vous le savez, très très charnel. Il n'avait pas un bon témoignage. Dans 1 Corinthiens 5, au verset 1er, Paul dit, on entend de toutes parts que l'un de vous, l'un parmi vous, sort avec la femme de son père. Et vous êtes tous remplis d'orgueil. Vous n'avez pas été plus dans la détresse pour reprendre un tel homme. Donc les églises de Corinthe ont une mauvaise réputation auprès des inconvertis, auprès des nations, auprès des athées. Parce que des choses qui s'y commettaient, vol, péché, il y avait de tout en fait. Toutes ces choses qui s'y commettaient, des choses contraires à la loi du Seigneur, donnaient un mauvais témoignage du Seigneur. Ils rendaient un mauvais témoignage du Seigneur. Pourtant, ces chrétiens avaient, comme Paul le dit, avaient reçu tous les dons de l'Esprit. Il ne leur manquait aucun don. Mais ils avaient un problème au niveau de la vie de sainteté
de la justice, de l'intégrité, toutes ces vertus. Vous voyez ? Donc, Paul va leur dire que, effectivement, qu'ils étaient les lettres, des lettres écrites par son service, par son ministère. Et comme vous le savez, les lettres ont, ont des expéditeurs, des destinataires. Et notre expéditeur, c'est le Seigneur, bien sûr. C'est lui qui nous a écrit. C'est lui qui nous a façonné. Et en tant que chrétien, le Seigneur, une fois qu'il nous a sauvés, nous laisse encore sur terre. Parce que beaucoup de gens se disent, pourquoi le Seigneur nous laisse encore sur terre? Il y a beaucoup de chrétiens qui demandent au Seigneur de le reprendre pour aller tout de suite au ciel. Mais pourquoi le Seigneur ne le fait pas tout le temps? Parce que nous avons, bien sûr, comme vous le savez, une mission à remplir, une mission à accomplir. Parce que nous sommes des lettres. Il y a cet autre passage de Matthieu 5 qui dit que vous êtes, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, la lumière du monde. D'abord, le sel de la terre. Waouh! La terre, ben, c'est le monde. La terre, c'est, représente les gens qui n'ont pas le Seigneur. Ils n'ont pas le Seigneur. Et nous, chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, les vrais chrétiens, dans le monde entier, sont appelés à être le sel, sont le sel de la terre. Et pour que le sel joue son rôle, sa fonction correctement, qu'est-ce qu'il doit disparaître, n'est-ce pas? Voilà. Si le sel ne disparaît pas, il faut qu'il soit dissous. Voilà. S'il n'est pas dissous, ben, il ne pourra pas, bien sûr, remplir son rôle. C'est la mort, tout simplement. C'est l'image de la mort disparaît. Donc le chrétien, le sel qui est le sel de la terre, doit disparaître, pas physiquement, mais disparaître par rapport à la méchanceté. Être chrétien, ce n'est pas être méchant, être voleur, être malhonnête. Tu vois? Être différent des gens du monde. Parce que nous avons reçu du Seigneur des capacités que les autres n'ont pas reçues. Aucun humain ne peut changer son caractère, comme vous le savez. Aucun humain ne peut, n'est-ce pas, se transformer de lui-même, par lui-même. Seul le Seigneur nous change. Donc le sel de la terre doit disparaître. Je dois disparaître par rapport au péché. Je dois être, comment dire, insensible au péché. Et le sel est utilisé aussi pour conserver les aliments. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, tout ça, de frigo. Donc ça veut dire que si la terre aujourd'hui est à peu près conservée, hein, c'est parce que les chrétiens sont là. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc nous avons une grande responsabilité sur terre. Énorme, notre responsabilité est énorme. Je ne parle pas d'une église quelconque, je parle de chrétiens. Que seul le Seigneur connaît. Les vrais enfants du Seigneur qui sont disséminés ici et là partout dans le monde. Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont jeunes, ils sont indiens, ils sont africains, ils sont européens, ils sont métis, ils sont arabes, ils sont tout ce que vous voulez. Tout ça, mais ils sont chrétiens, ils sont connectés avec le Seigneur. Et ces chrétiens-là n'ont pas besoin d'un homme pour prier, pour aller vers le Seigneur. Ils n'ont pas besoin d'un gourou pour apprendre ce que c'est la vie chrétienne, pour savoir comment se comporter. Ils prient le Seigneur, ils lisent la Bible et ils reçoivent directement du Seigneur des ordres pour pouvoir marcher, pour pouvoir mener correctement leur vie chrétienne. Donc être chrétien, c'est être vraiment un témoin du Seigneur. Être aussi un témoignage en même temps. C'est-à-dire avant que les gens ne parlent de toi, n'est-ce pas? Avant que tu ne parles de toi, les gens d'abord doivent constater, doivent parler. Comme la parole de Dieu dans Proverbe 27, qu'un autre te loue et non pas tes lèvres. Un étranger et non pas ta bouche. Tu vois, non? Par ton comportement, par ton attitude, ta manière de parler, même à la police, ta manière de conduire ton véhicule, ta manière de te comporter à l'école, au travail, tout ça. Donc, être chrétien, c'est une vie. C'est une vie. Ce n'est pas un nom qu'on porte comme ça, mais c'est toute une attitude qu'on a. Qui fait que quand on rencontre des gens, quand les gens nous rencontrent, ils disent, mais vous êtes différent. Parce qu'on est tout simplement chrétien. Voilà. Mais si tu voles comme les inconvertis, si tu manques du respect aux autorités comme les inconvertis, si tu insultes tes parents comme les inconvertis, ou si tes parents lèvent la main sur leurs enfants comme tout en disant chrétiens, là, ce ne sont pas des chrétiens sur la parole, mais c'est plutôt des hypocrites, des gens qui jouent un rôle. Et par ton attitude, par ton comportement, par ta vie transformée, ta famille peut être touchée. Donc c'est le premier moyen que le Seigneur nous donne pour pouvoir évangéliser.
sais, d'ailleurs, les gens qui ont nommé les disciples du Seigneur qu'ils ont appelés pour la première fois chrétiens, c'était des inconvertis. Hein. Quand ils ont vu se comporter, parler, s'habiller, ils ont dit, ben, ils sont comme leur maître chrétien, Christos. Voilà. Et c'est pour ça que Paul disait ici, il disait aux Corinthiens, vous êtes des lettres du Mashiach. Et c'est nous qui avons, Paul, c'est lui qui disait, c'est eux qui avaient écrit ces lettres-là. Et toute lettre est amenée à être lue. Donc nous devons, les gens doivent lire sur nous. Avant même qu'on ne parle, ils doivent lire sur nous. Quand les gens nous voient, avant même qu'on s'exprime, les gens automatiquement ils commencent à lire. Eh ben ça, ils lisent quoi? Ben ils lisent, tiens, ben c'est là, je vois la sainteté. Là, je vois l'intégrité. Voyez? Comme Jean-Baptiste disait aux militaires, aux soldats, lors du baptême, il lui posait la question, et nous, que devrions-nous faire? Il leur disait, mais contentez-vous de votre solde. Voyez? Voilà. Militaires, policiers, chrétiens, ben soyez corrects. Voilà. Ministres chrétiens, ben soyez corrects. Voilà. Et c'est ce que Pierre nous dit également dans 2 Pierre chapitre 1er. Il dit, il nous demande de fournir des efforts pour joindre à notre foi la vertu. Voilà. Il y a la vertu, la connaissance, et tout ça, la bonté, toutes ces valeurs chrétiennes. Voilà. Et nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, donc on doit disparaître, voilà, pour que les autres soient, pour que le Seigneur soit glorifié. Et la lumière du monde, ben, la lumière, comme le Seigneur le dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. Vous voyez ? Donc il ne faut pas avoir honte du Seigneur. On doit éclairer le monde. Et ça, c'est une charge énorme. Pendant la crise de la Covid, vous savez, pendant le premier confinement, et beaucoup de chrétiens avaient aussi perdu de l'espoir, beaucoup étaient dans la dépression, alors que c'est à nous de dire aux gens du monde, ben, voyez ce qui se passe ? Ben, voilà ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Voyez ? Joseph, en Égypte, vous connaissez l'histoire de Joseph. Quand Pharaon a eu deux songes qui parlaient, qui annonçaient cette année de famine, vous vous rappelez ? Voilà. Et Pharaon a eu un songe, donc deux songes qui parlaient de la même chose, mais il lui manquait l'interprétation. Comme beaucoup de dirigeants politiques, comme beaucoup de gens dans le monde, comme des gens de ce monde. Ils ont des visions, ils ont des songes, ils ont des projets, mais souvent, l'interprétation, même généralement, ils ne l'ont pas. Comment les choses vont se finir? Ils font des projets, mais nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde parce que quand on lit la parole de Genèse Apocalypse, nous savons déjà comment les choses vont se terminer. Nous le savons. Voyez? La guerre actuelle en Europe, qui va de plus en plus déboucher vers la Troisième Guerre mondiale, parce qu'on le sait, parce que la parole le dit. Donc pour nous, on n'est pas surpris. Logiquement, les chrétiens ne doivent pas être surpris. Si vous regardez les symptômes de la Covid-19, et regardez bien ces symptômes, et lisez par exemple Deutéronome 28, vous allez voir que la plupart de ces symptômes s'y trouvent. Hein. Donc tout est écrit. Tout est écrit. C'est pour cela que le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde, parce que nous avons été éclairés, nous sommes éclairés constamment par le Seigneur, et nous avons la charge de dire aux gens du monde, mais voilà comment les choses vont se passer. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Nul besoin d'être prophète, hein. Nous avons l'éclairage. Nous chrétiens, je ne parle pas de ceux qui sont ici seulement, des chrétiens dans le monde entier. La lumière du monde. Les gens, ils ont beau avoir la lumière du jour, mais ils sont dans les ténèbres. Vous voyez ? Alors, je méditais ce matin l'histoire de Jacob. Vous savez, quand il est descendu en Égypte, et quelques années après, Jacob était devenu presque aveugle. Vous voyez ? Et on nous dit que ses yeux ne voyaient plus. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rassembler ses enfants dans Genèse 49. Il va leur dire, écoutez, Jacob, votre père. Écoutez, Israël, votre père. Il dit, venez, mes fils, je vous annoncerai des choses qui arriveront dans les derniers jours. Comment quelqu'un qui est aveugle physiquement ait pu avoir cette capacité de voir l'avenir au point de dire à ses enfants qui voyaient plus que lui qu'il allait leur annoncer le futur? Ben oui, aveugle physiquement, mais spirituellement, il était voyant. Amen. Donc, c'est pour cela que nous sommes la lumière du monde. Donc tu peux
nous pouvons, grâce au Seigneur, dire même à nos employeurs, mais vous savez, monsieur un tel, je connais le futur, l'avenir. Ah ben, vous faites de la voyance? Non, c'est plus que ça. Parce que les voyants, quand vous allez les voir, quand vous frappez à leur porte, ils vous demandent qui c'est. Donc ils ne sont pas si voyants que ça. On est d'accord? Ben oui. Vous allez voir un marabout, tout ça, là, il donne des flyers, tout ça, là, à la sortie du métro et tout. Voilà, voyance, tout ça, monsieur Camara, voit tout. Hein. Voilà, ok, d'accord, mais bon, okay, on va faire un tour. Quoique pour nous, chrétiens, c'est interdit. Hein. N'allez pas dire que le frère nous envoie chez le voyant. Il faut toujours rectifier. Eh bien, quand on est dans le monde, nous étions tous partis voir monsieur Camara. Hein. Voilà, t'arrives à la porte. C'est qui? T'es voyant ou pas? Voilà. Vous voyez un peu le... Donc, j'arrive. Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre que nous avons une lourde responsabilité. Nous pouvons dire aux autorités, vous voyez la guerre là? Voilà ce qui va se passer. Selon la parole, parce que nous sommes la lumière du monde, on va vous éclairer. Selon la parole, la Chine deviendra la première économie mondiale. Voilà, c'est déjà le cas. Parce que la parole prophétique nous dit que le fleuve, l'Euphrate, va tarir pour permettre au roi de l'Orient de venir jusqu'à Jérusalem pour la guerre d'Armageddon. Vous voyez? Et on peut aussi leur parler de Poutine en disant, selon la prophétie, Poutine sous l'ours. Avec l'Iran, parce qu'ils sont très proches, ces deux pays. Donc Poutine va prendre l'ampleur. Voilà. C'est l'ours. Dans les médias, on en parle aussi. Et les Écritures nous parlent de Gog et Magog. Hein? Les pays du Nord. Donc nous avons l'information. Un jour, pendant quelque temps, j'appelais quelqu'un pour avoir des informations sur un pays. Comment les choses se passaient sur le plan de la géopolitique, tout ça. Et le Seigneur m'a dit, mais lui, il n'est pas converti et tu l'appelles pour avoir des informations alors que c'est toi qui dois l'éclairer. Ça m'avait donné, c'est une bonne claque que j'avais reçue. Hein. Waouh! Et je me suis ressaisi, effectivement, selon la parole, voilà ce qui va se passer. Donc la lumière du monde. Qui sont ceux qui sont timides? Levez les mains un peu. Les timides. Oh, il y en a plus que ça. Donc vous avez pris vos lampes, vous les avez cachées sous le boisseau, sous vos tables. Ah non, mais je suis timide, alors j'attends que le frère vienne, comme ça lui va parler. Qui a déjà entendu la voix du Seigneur dans le train, le métro, lui disant, lève-toi, parle. Et il n'a pas fait. Qui? Les rebelles. Vous avez une dette. Alléluia. Attention, ça arrive à tout le monde. Hein? On dit, Seigneur, mais là, ici, il y a du monde. Hein? Pourtant, tu es la lumière du monde. Mais tu dis qu'il y a du monde, mais justement, il y a un problème. Il y a trop de monde. Voilà. Vous n'avez pas compris que le Seigneur, parfois, il nous établit dans des endroits où il y a beaucoup de méchants. Il te donne un travail, pendant des années, tu as demandé un travail, il te donne un travail avec un patron méchant. Qui a déjà compris ça? Tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tu es le sel de la terre. Il ne peut pas t'amener là où il y a du goût, déjà là. Il t'amène dans un endroit où c'est fade. C'est toi qui dois saler l'entreprise. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, toi qui dois saler l'entreprise, tu prends le sel que tu es et tu cours. Voilà pourquoi nous allons nous repentir aujourd'hui. Le Seigneur, il te prend, il t'amène dans un pays où pratiquement tout le monde est méchant. Autre chose, il te fait naître dans une famille où tout le monde est bizarre. Je suis convaincu que beaucoup de gens ont déjà constaté ça. Je dis, mais moi, un jour, je dis, Seigneur, pourquoi je ne suis pas né au Japon? Voyez un peu la chose. Donc, je vous assure, mais parce que nous sommes le sel de la terre. Voilà. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux quitter cette entreprise. Toi, on aime trop la facilité.
Hein, c'est ça, hein? Voilà. Du tac au tac. Tac, tac. Seigneur, je te demande de faire quelque chose. Tu l'as fait. Non, le Seigneur n'est pas un garçon de course. Tu es le sel de la terre. Il te met dans un endroit, dans un environnement où il n'y a que des méchants. Et tu as l'impression que ça dure. Depuis des années, ça dure. Ça ne change pas. Mais oui, parce que c'est toi qui ne changes pas. En fait, il faut que tu meurs pour que les autres changent. Mais le sel, si tu mets le sel dans le plat, dans un plat, il faut que ça soit dissous, sinon ça ne va pas saler. Qui commence à comprendre quelque chose? Ça fait combien de temps que tu pries pour la conversion de ton mari, de ta femme? Ouh là 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 là, c'est un point terrible, hein, Seigneur. Hein. Tu sais, quand on t'attaque et que tu pleures, tu es encore vivant. Qui est encore vivant? Un tout petit peu. Quand tu dis, moi, on ne me parle pas comme ça. Ouais, voilà. Ouf. La mort à soi, c'est dur, hein? Personne ne veut mourir. Hein? Non. Même si tu n'es pas conscient. Regarde quand on dort là, ceux qui font des arrêts respiratoires, vous voyez, on se réveille. Alors que ce n'est pas volontaire. Hein? Mais ton corps ne veut pas partir. C'est ton corps qui dit, réveille-toi, je ne veux pas bouger, je reste ici. On ne veut pas mourir. Or, le Seigneur n'utilise pas les vivants par rapport au péché. Il utilise les morts. Il y a trop de. On est trop vivants. Et on va souvent accuser les démons, c'est des attaques. La famille, elle est bizarre. C'est toi qui n'es pas encore morte. Et souvent, on se mesure par rapport aux autres, mais rien les autres. Qui t'a dit que l'autre est ton thermomètre? Ton baromètre? C'est le Seigneur, c'est la parole, c'est pas l'autre. La mort. Oh Seigneur, là j'avance. Hein. Le mari, il vient quand le mari, tout ça. Le Seigneur, tu es sa fille, non? Hein? Seigneur, tu vois, je ne pêche pas. Les autres pêchent, ont des hommes, facilement des maris, tout ça. Là. Moi, rien. Tu as dit, les autres, c'est pas toi. Toi, tu es ma fille. Hein? Et puis, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu t'inquiètes d'un corps qui ne t'appartient plus. 1 Corinthiens 6, 19 dit quoi? Votre corps et votre esprit appartiennent à qui? Hein? Regarde. Tu peux m'offrir ton. Il me donne son big, son stylo. Et maintenant, il commence à inquiéter. Mais il ne faut pas tenir comme ça. Non, non, il faut faire attention. Mais tu me l'as donné ou pas? Qui a donné sa vie au Seigneur? Tu ne l'as pas donné, il a pris. Ok. Alléluia. Oh, on l'acclame, gloire au Seigneur. Ok. On finit bientôt, vous n'allez pas. Tu sais pourquoi on ne fait pas ta vie? Quand il t'a créé, est-ce que tu as négocié avec lui? Voilà. Je suis convaincu que si on devait négocier avec le Seigneur, on demanderait autre chose. Il y en a qui demanderaient 1m80. Ils sont nés, hop, ils s'arrêtent à 1m40. Le Seigneur, il y a un problème. Voilà. Vous voyez un peu, non? On aurait dans une classe du Seigneur, mais là, il y a quelque chose qui est là, tu aurais dû faire. Voilà. Donc, il prend ta vie, la vie qui est à lui. Et maintenant, tu te mets à te débattre. Non, mais Seigneur, mais tu sais, là, j'avance, j'ai 40, bientôt 30 ans, je suis toujours pas marié, tu sais, Seigneur, mais les gens du monde, moi, je veux me marier pour que ton nom soit glorifié. Le Seigneur dit non, non. Tu veux te marier pour pouvoir te glorifier toi. Hein? Pour aller narguer les gens en disant, t'as vu, mon père m'a béni. Hein? C'est encore de l'orgueil. Donc le Seigneur ne va pas. On a affaire à quelqu'un qui ne vieillit jamais. Qui est assis depuis l'éternité sans avoir mal. Vous voyez un peu la chose? Seigneur, oui, si tu me donnes telle chose comme j'ai donné, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Il dit, tu vas faire quoi? Dis-moi un peu. Tout est à moi. Tu vois, tu vas faire quoi? Seigneur, oui. Si, je t'assure, je vais faire une alliance avec toi. Et vous voyez la prière de Jabet dans la Bible, hein? On a même écrit un livre dessus. Hein? Voilà, il y a des prières à faire pour être exaucé. Frère, laissez-moi vous dire, tout ça là, c'est faux. Comment secouer le trône du Seigneur? C'est, tout ça, ça ne marche pas.
Le Seigneur dit, j'ai exaucé des gens qui ne me demandaient rien. Je me suis révélé aux gens qui ne demandaient pas après moi. Honnêtement, nous ne méritons rien. Il t'a façonné, il ne t'a pas demandé ton avis, il t'a créé. Et il vient un jour, il dit, bon, je prends ta vie. C'est ta conversion, ma conversion. Et là maintenant, il commence à te façonner. Et il va doucement, parce que s'il fait tout ça d'un seul coup, on va mourir. Il prend son temps. Il arrache telle chose. Et comment il fait? Eh bien, il va se servir des méchants pour nous changer, nous. Il prend des méchants, ils vont te critiquer matin, midi, soir. Il peut même permettre une maladie pour te ronger. Oh Seigneur, je chasse, on met l'huile d'onction. Rien. Quelqu'un qui pêche, qui vole, lui, il est en bonne santé. Toi, tu jeûnes, tu pries, tu médites la parole bien comme il faut, galère sur galère. Et puis Satan vient à ton esprit, t'as vu? Tu as vu? Tu perds du temps, hein? T'as vu? Tu fais du surplace. T'as vu les autres? Regarde les autres. Et tu commences à regarder à droite, à gauche. Tu dis, mais effectivement, effectivement. Bon, je veux baisser un peu de niveau dans la prière, un peu de... Voilà, je veux descendre un peu, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Tu es jeune. Tu vieillis. Il veut quoi le Seigneur? Et là, tu rentres en colère, hein? Tu commences à dire, effectivement, il m'énerve le Seigneur. Là. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais tu l'as déjà pensé. Un jour, j'étais en colère contre le Seigneur, m'a dit, j'entends sa voix, ta colère, que peut-elle me faire? Tu imposes la main sur l'oreiller de ton mari. Seigneur, je prophétise, il va se convertir demain. Rien. Tu vas au travail, t'as les nerfs déjà. Oh, mon patron, mon nom. Les collègues. Qui a des problèmes avec ses collègues? Bienvenue au club. Attendez. Vous savez, je vous dis une chose. Avant que le monde ne soit créé, le Seigneur savait qu'il allait créer un monsieur qui serait ton collègue. Et l'a positionné là. Voilà. Pourtant, c'est un travail que tu aimes. Hein? Mais tu as un collègue qui te pourrit là. Non. Bénis le Seigneur parce que c'est une grâce qu'il soit là. Il faut bénir cet homme parce que c'est un instrument pour ta... Mais tu as demandé au Seigneur de te façonner, non? Ben alors, je suis convaincu que le Seigneur parle à quelqu'un ici. Ton prof là, il faut l'aimer. Nous chrétiens, nous sommes bizarres. On nous insulte, nous bénissons. On n'a pas la même réaction que les inconvertis. Voilà. On ne force pas les gens à la conversion. Non. On te maudit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Celui qui te persécute, qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Priez pour lui. Et je vous assure, c'est difficile. Hein? Je vous assure, hein, parce que là, on invoque la foudre. Hein? Seigneur, il faut que tu me justifies. Quand tu parles comme ça, tu es orgueilleux. Seigneur, justifie-moi. J'ai attendu 15 ans. Je dis, Seigneur, cet homme-là a pris l'église que j'ai établie là-bas. Là. Il faut le foudroyer. Je prends la Bible, je dis, Seigneur, c'est écrit! Tu es celui qui défend tes enfants. 16 ans, rien. Le sel de la terre. Seigneur, je vois ta gloire. Je veux être un instrument pour ta gloire. Seigneur, tu verras ce que je veux. Je veux gagner des âmes pour toi. Tu vas gagner des âmes pour moi. Personne ne peut venir à moi si je ne le tire. Personne. Tu vas gagner qui? Poussière que tu es. Que je suis. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Il peut aussi permettre à ce que tu sois célibataire à vie. Regarde, on va me lapider. On acclame le Seigneur. On va voir l'autre micro, s'il vous plaît. Là, il n'y a pas eu d'amen. Hein? C'est pour ça que je vous dis, voilà, on acclame le Seigneur. Waouh, Seigneur. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous croyons être vraiment à la veille, nous sommes à la veille du retour du Messie.
Les signes sont là. Et nous ne sommes pas, nous chrétiens en tout cas, beaucoup ne sont pas étonnés de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Nous savons que cette guerre est une guerre entre deux extrémités, deux pôles, deux puissances, deux blocs. La Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et d'autres pays, certains pays africains notamment, d'un côté, les États-Unis, Israël, l'Europe, une grande partie de l'Europe, et de l'autre. Et nous savons que c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc l'OTAN, bien sûr, c'est une alliance qui inclut beaucoup de pays européens. Voilà. Et nous savons, selon la prophétie biblique, que le Messie reviendra physiquement sur Terre pour mettre fin à une guerre globale. C'est ce que la prophétie biblique nous dit. Et de plus en plus, les gens parlent d'une guerre nucléaire, parce que ce sont des puissances nucléaires qui s'affrontent. Donc ne voyez pas l'Ukraine. L'Ukraine est juste, pour votre information, un pion. Ça, il faut le souligner. Voilà. C'est juste un pion. Voilà pourquoi les armes de plus en plus sont fournies, tout ça. Et l'escalade ne va pas s'arrêter là, selon la prophétie biblique. Voilà. Et c'est pour cela que le Messie ne peut qu'intervenir. Voilà. Ne peut qu'intervenir. Les guerres, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Mais les Écritures nous disent qu'il y aura, et que le Messie reviendra à un moment où les nations, notamment la nation israélite, sera épuisée à cause de la guerre. Et là, c'est le retour physique du Messie, selon la parole. Si vous lisez Ézéchiel 38 et 39, on nous parle de Gog et Magog, on nous parle de Gog qui va attaquer Israël. Donc, et là, les deux corps sont plantés et nous devons, nous chrétiens, nous préparer de plus en plus pour le retour du Messie. Nous ne connaissons pas le jour exact de son retour. Et on parle de chrétiens qui vont être ravis, qui vont être enlevés avant tout. Et nous croyons en cela, même si de plus en plus de chrétiens, beaucoup de chrétiens n'y croient plus. Mais nous croyons que la parole du Seigneur est digne de confiance. Et c'est pour cela qu'il faut, en tant que chrétien, jouer notre rôle de sel de la terre, la lumière du monde, et, parce que le maître n'est plus loin. Voilà. Et c'est une guerre globale. Et les Écritures nous annoncent l'ouverture de plusieurs seaux où il y aura de la famine, tout ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Je ne sais pas si on peut facilement encore avoir, si on peut de nouveau avoir facilement l'huile de tournesol. Je crois que ce n'est toujours pas le cas. Hein. Voilà. Donc, vous savez, j'étais au Congo et en Afrique, notamment au Cameroun. Et de plus en plus d'Africains se proposent de faire du pain, non plus avec du blé, mais avec du manioc. Donc vous voyez bien, donc, le paradigme change, les données changent. Voilà. Oui. On n'en parle plus, mais en fait, c'est le conflit israélo-palestinien. Et ce conflit-là représente deux blocs, toujours. Hein. Voilà, deux blocs, parce que la Russie est plus pro-arabe, Palestine, tout ça, et Israël, ben, les États-Unis, c'est Israël. Voilà, donc, et là, ben, c'est un conflit aujourd'hui global. Et les Écritures nous en parlent, il ne faut vraiment pas qu'on soit surpris. Donc, voilà. Et le monde bascule, on bascule dans autre chose. En tant que chrétien, quelle doit être notre attitude? Quelle position prendre? Non, de toute façon, c'est deux blocs qui se dessinent. Hein. C'est clair. Voilà, l'affrontement va être un affrontement global. Notre position en tant que chrétien, nous prenons position pour la cause des orphelins, des pauvres, des démunis. On est contre la guerre. Bien sûr, parce que le Seigneur est pour la paix.
On l'appelle le prince de Shalom, hein, le prince de paix. Et la guerre, d'où qu'elle vienne, fait des dégâts. Et voilà, il y a des enfants qui se retrouvent sans parents, des parents qui se retrouvent sans enfants. Il y a des gens qui qui souffrent de la faim. Et on doit être contre toute forme de guerre. Malheureusement, tant que l'humain ne sera pas totalement transformé, il y aura toujours des guerres. Et seul le Seigneur mettra fin à cette confusion. Et c'est pour cela que nous espérons son retour. Voilà. Voilà. Donc, oui. Bonjour. Par rapport au fait d'être témoignage par rapport au Seigneur, j'aimerais que vous m'éclairiez sur un point qui me frustre jusqu'à ce jour. Le Seigneur m'a révélé l'appel il y a des années, ça a même été confirmé à travers vous. Et je prie jusqu'à ce jour pour que le Seigneur... Enfin, je me sens inutile par rapport à l'œuvre. Et je prie jusqu'à ce jour pour demander au Seigneur de me faire grâce de m'envoyer, de parler. De parler, ça me ronge. Et quand je vois le comportement, je parle des personnes qui se disent chrétiennes et des gens, mais principalement des personnes qui se disent chrétiennes, ça m'irrite. Mais je crains tellement de faire n'importe quoi que j'ose pas aller sans que le Seigneur me donne son go. Et c'est ce pourquoi je prie. Ma question, c'est de savoir si je peux y aller malgré tout. Moi, je te dirais, je pourrais pas te répondre, tu sais, par rapport à au timing. Je te dirais simplement que de Genèse Apocalypse, on n'a pas vu un prédicateur, un serviteur du Seigneur, homme ou femme, et demander au Seigneur, se prendre la tête par rapport à son appel. En fait, voilà. Et tu vois, toutes les personnes que le Seigneur a appelées travaillaient normalement. Élisée était en train de travailler dans son champ quand Élie est allé l'appeler. Les apôtres étaient en train de pratiquer la pêche quand le Seigneur les a appelés. Et Moïse était en train de paître le troupeau quand le Seigneur l'a appelé. Et beaucoup de gens cherchent à parler à des foules ou sur les réseaux, alors qu'ils peuvent parler déjà à une personne dans la rue, ici et là, dans la vie de tous les jours, parler au travail, parler normalement. C'est cela, servir le Seigneur. En fait, c'est parce que j'ai une crainte derrière. Je sais qu'on ira tous, on passera tous devant le tribunal du Christ. Et étant donné que je sais ce qu'il attend, ma crainte, c'est d'arriver devant lui, entre guillemets, avec un dossier vide. Je comprends. Mais en fait, le danger, c'est de se mettre la pression inutilement. Il faut pas se mettre... Le Seigneur, ce qu'il veut, le Seigneur ne cherche pas des prédicateurs. N'est-ce pas? Il cherche des adorateurs. Il faut simplement être dans l'obéissance. Voilà. Tu médites la parole tous les jours, vis ta vie correctement, sois intègre, sois vrai, respecte les autorités, respecte la parole simplement, simplement. Tu rencontres des gens dans la rue, à l'école, au travail, partage la parole comme le Seigneur te conduit, simplement. Et tu sais, beaucoup diront, comme le Seigneur l'a dit, hein, à la fin, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, prophétisé par ton nom, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Voilà. On sera surpris au ciel de voir des gens qui étaient souvent méprisés et qui n'ont jamais été sur les réseaux, et qui n'ont jamais traîné de foule. On sera surpris de les voir plus couronnés que nous autres. Voilà. Donc, il faut faire ce qui est juste. Voilà. Le Seigneur n'est pas impressionné par des foules que l'on peut attirer ici et là. Il n'est impressionné par personne. C'est l'obéissance qui importe. Oui. J'aimerais mieux comprendre le verset 25 de Romains 4 qui dit que le Seigneur Yeshua est ressuscité à cause de notre justification. Ok. Et Louis Segond a traduit le grec dia par pour. Alors que le grec dia ne signifie en aucun cas pour. C'est plutôt à cause de ou encore à travers. Par le moyen d'eux. Et si tu dis que le Seigneur est ressuscité pour
notre justification. Cela veut dire que nous sommes justifiés par la résurrection du Seigneur. Ce qui n'est pas biblique. Tu vois, non? Voilà. Donc, si on dit à cause, donc ça veut dire que là, ça change tout. Parce que c'est ce que le grec dit. Le Seigneur est ressuscité à cause de notre justification. Je m'explique. Il y a la mort et la résurrection. D'accord? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes déjà justifiés? C'est le fait que le Seigneur est ressuscité. Je prends un autre exemple. On te donne un travail à faire dans un bureau. Tu travailles, tu nettoies le bureau, tout ça. Tu sors, tu ne sors de. On te dit, hein, tu ne peux sortir de ce bureau que si le travail est terminé. N'est-ce pas? Donc, tant que le travail n'est pas fini, tu ne dois pas sortir du bureau. Et une fois que le travail est fini, tu sors du bureau. Tu vois, non? Et là, tu dis aux gens, je suis sorti du bureau parce que le travail est fini. Je suis sorti de la mort parce que je vous ai justifié par ma mort. Tu comprends? Pourquoi Bouddha n'est pas ressuscité? Parce qu'il n'a pas fini de justifier les bouddhistes. Et comme il ne finira jamais, donc il ne pourra pas sortir de la mort. Il essaie de faire ça sous la terre là-bas, il n'arrive pas. Voilà pourquoi il ne peut pas sortir. Tu comprends la différence? Pourquoi tous les prophètes des religions ne sont pas sortis? Parce qu'ils n'ont pas fini de vouloir justifier leurs adeptes. Ils essayent, là où ils sont, là, ça ne marche pas. Tu vois? Maintenant, le Seigneur, une fois mort, 3 jours après, il a fini parfaitement. Déjà sur la croix, il a dit, tout est à... Une fois qu'il a tout accompli, donc il nous a justifié, il a rendu l'âme. Donc, le travail étant fini, il pouvait maintenant sortir. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que nous sommes justifiés? Ben, c'est la résurrection du Seigneur. Tu vois, non? C'est pour cela que la foi chrétienne est basée sur la résurrection. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que la semence, qu'il y a une semence sur terre, sous terre, ben c'est l'arbre qui a poussé. C'est la résurrection, la germination. Voilà. Donc nous chrétiens, nous sommes différents des autres religieux, des autres religions. Nous sommes basés sur la résurrection du Seigneur. 1 Corinthiens 15 le dit. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, même quand on leur dit de ne pas prêcher la vérité, de peur de se faire tuer, ben ils prêchent quand même la vérité. Parce qu'ils savent que même si on les tue, ils vont ressusciter. D'ailleurs, nous ne goûtons pas à la mort. Ce sont les païens qui goûtent à la mort. Les païens, quand ils meurent, c'est un démon de mort qui vient les chercher. Nous, ce n'est pas un démon de mort qui vient nous chercher. Nous, c'est... Alléluia! Elle a du prix la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Nous, c'est les anges qui viennent et qui nous préparent déjà. Ben oui, ils disent, préparez-vous, on le sait à l'avance, préparez-vous, on va rentrer. Donc, on est escortés parce que nous sommes des rois. Alléluia! Vous avez déjà vu un roi sans escorte? Il a fait de tous ceux qui ont cru en lui des rois et des prêtres. Est-ce que tu comprends qui est notre maître et qui tu es? Alors, ne soyez pas étonnés si vous voyez les gens secouer, hein, parce que la présence du Seigneur, voilà, ça nous secoue, ça nous... Ouh, il y a des choses qui se passent ici, là. Alléluia. C'est pour cela que tu ne dois pas craindre la mort, toi, chrétien. Oh, alléluia. Tant que la mission n'est pas finie, tu ne peux pas rentrer. On ne peut pas cueillir une mangue qui n'est pas mûre. On ne cueille jamais une mangue qui n'est pas mûre. Donc, tant que tu n'es pas mûr encore, là, personne ne peut te cueillir. Quand le diable vient pour te cueillir, le père dit, non, tu vas cueillir quel fruit? Le père dit, moi, je ne mange pas de fruits qui ne sont pas mûrs. Voilà pourquoi on dit, jusqu'à ce que nous ayons la stature parfaite du Mashiach. Hey! Alléluia! Sois dans l'assurance. Ta barque peut être secouée. Tu ne vas pas te noyer.
Jonas a dit, non, jetez-moi par-dessus bord, je vais mourir. Il n'était pas encore mûr. Le Père ne mange pas n'importe quoi. Il est celui qui reçoit notre adoration, mais il faut que ce soit mûr. Le Père envoie un poisson, va avaler Jonas. Son heure n'est pas encore arrivée. Laisse les sorciers faire des plans contre toi. Dans leur plan, il y a aussi le plan du Seigneur. Pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour. Le Père a formé des projets avant les temps éternels pour ta vie. T'as pas compris? Les autres sont morts. Tes proches sont morts. Toi, tu es toujours là. Hein? Il y a eu la pandémie, tu as secoué tout le monde. Toi, tu es encore là. Attends, ça peut arriver. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Yahweh le délivre toujours. Hey! Oh! Je vais encourager quelqu'un. Je vais fortifier quelqu'un, le Père. Alléluia, encourage quelqu'un. Oh, alléluia. Toi qui crains le Seigneur, je ne parle pas de ceux qui s'excitent, mais des vrais enfants de ceux qui craignent le Seigneur. Qui craignent le Père, véritablement. Il faut laisser les autres parler. Ah, il faut laisser les autres parler. Laissez-les faire des plans. Quand tu dis, non, quelqu'un veut te tuer, dis, oh, que ça soit béni. Oh, ouais, c'est. Oh. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit le Seigneur. Il y a un temps où le Seigneur va permettre à tes ennemis de parler. Un temps viendra où il dit, maintenant je ferme vos bouches. Ils vont constater seulement les fruits. Ils vont les déguster malgré eux. Et ils vont changer de langage. Parce que tu es la lumière du monde. Tu vas les éclairer malgré eux. Les sorciers, il ne faut pas les fuir parce que c'est toi qui es leur lumière. Pourquoi tu les fuis? Je parle à quelqu'un ici. Ce sont eux qui doivent te fuir. La lumière, là, c'est le soleil. Quand on allume une pièce, les cafards s'enfuient. Les cafards sont les satanistes. Toi aussi, ne cours pas avec les cafards. Que les cafards ne soient pas tes collègues dans la course. Toi, reste sur place, ne bouge pas. Hey! Alléluia! Nous sommes des lionceaux. Vous avez déjà vu les lionceaux? Ils peuvent attaquer les léopards, attaquer les éléphants, parce qu'ils savent que papa est là, maman est là. Le roi de la forêt est là. Maintenant, nous, le lion de la tribu de Yehuda est là. Alors, crains-le! N'abandonne pas la foi. Les épreuves, ça c'est pour toi. C'est une grâce, parce que grande sera ta couronne. Tu n'as pas compris encore? Réjouis-toi que les gens se moquent de toi parce que tu n'as rien sur terre. Mais tu es étranger et voyageur. Trop de bagages, ce n'est pas bon. Le Père te décharge, accepte cela. Ouh! Vous savez, on peut tromper les enfants du Seigneur pendant quelques temps, mais on ne peut pas les tromper indéfiniment. Ah non! Même à la dernière minute, le Seigneur va te libérer de l'escroc qui voulait t'escroquer. Même à la dernière seconde, le Père interviendra. Sois toujours sincère. Sois toujours vrai. Même dans tes erreurs, sois vrai. Et si tu les commets parce que tu les as prémédités, le Seigneur te délivrera toujours. Oh, ils parleront. Mais quand le Père parle, dit c'est fini. Ouh. La lumière du monde. Quand tu dors, là, tu éclaires. Tu illumines. Tu brilles. Et toi, tu ne vois pas. Mais tu brilles. C'est le feu. Tu es en feu. Je te dis, tu es le feu. Alors sanctifie-toi. Que le péché ne n'atteigne pas ta vie, ton corps, là, tout ça. Ne livre pas ton corps au péché. Là. Tout ça, non, Yeshua. Oh Seigneur. C'est une grâce que de connaître le Seigneur avant sa mort. Vous ne vous rendez pas. Mais frère, c'est une grâce. C'est une grâce. Il y a des gens en enfer qui disent au Seigneur, ah, renvoie-nous sur terre, on veut changer. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu n'as pas vu que pendant des années, tu étais contrôlé et un jour comme ça, 20 ans, 30 ans après, le Seigneur t'a ouvert les yeux. Maintenant, tu sais qui tu es. La princesse du roi. La fille du roi. Ah! Hein? On acclame le Seigneur, on lui donne toute la gloire. La fille du roi. Quelqu'un t'a pris, toi. Toi qui es du feu. Toi qui es du feu, le feu. Quelqu'un t'a pris pour te contrôler, on ne contrôle pas le feu. Hein? On ne. Oh!
une petite allumette peut embraser toute une forêt. C'est là où le Seigneur t'a positionné. Il t'a mis là. Tu es comme endormi, mais t'es pas... Le Seigneur opère, il agit, tu ne vois pas. Il agit, il prépare des choses. Il prépare. Tu sais, pendant que Adam dormait, il ne savait pas que Ève était préparée. Hein. Ève était en train d'être bâtie bien comme il faut. Là. Mais Adam dormait. Quand il se réveillait, il dit, waouh, cette fois-ci. Ce qu'il y a eu les autres fois. Je dis à quelqu'un ce soir, quand tu vas te réveiller, ouh, cette fois-ci. Pendant que tu pleures, le Père fait des choses. Toi, fais l'œuvre du Père. Obéis au Seigneur. Tu n'es pas comme les autres, ne te compare pas aux autres. Ton baromètre, ton thermomètre, c'est le Seigneur. C'est lui, la star préférée de nos cœurs. Il est beau. Je vais vous parler de lui un peu. Il est beau. Jésus, Yeshua, il est beau. Tu as vu, il est là. Hein? Il est beau. C'est la beauté personnifiée. Il est beau. Hein? Bouddha, Bouddha encore. Yeshua, il a dit, qui parmi vous peut me convaincre du péché? C'est le seul qui n'a pas péché. Même si on dit non, il n'a pas existé, tout ça, mais on parle toujours d'avant Jésus et d'après, par rapport au temps. Pourquoi? Pourquoi avant? Pourquoi après? Il est où? À quel moment? À quel endroit? Avant et après. Lui, il est où? Hein? Il est où? Il est où? Il dit là où deux autres ensemble à mon nom, je suis. Il n'a pas dit à côté, mais il est au milieu. Et sur le trône, il est assis à quel endroit? Il est l'agneau et à quel endroit? Au milieu du? Avant Jésus et après. Lui, il est au milieu du temps. Il gère le passé, il gère le futur. Il a géré ton passé, il a effacé tous tes péchés, toi qui as confessé. Quand les sorciers viennent, ils disent, oh, c'est effacé. Quand le marabout que tu as consulté à 20 ans vient comme ça en esprit, oh, tout est effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Littéralement, il a gommé. Tac, 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 tac. Vous savez, quand on amène la femme qui avait péché, on l'a surprise en plein adultère. Les gens viennent, non, il faut qu'on la tue. Le Seigneur se baisse, il prend son doigt. Le doigt. Vous voyez les magiciens de Pharaon, les magiciens ont dit quoi? Ça, c'est le doigt de Yahweh. Il y a des choses qu'on ne peut pas imiter. Il écrit seulement là. En écrivant, je sais, on ne sait pas s'il écrivait. Hein. Peut-être même qu'il était en train de dire, la condamnation est effacée. Bah oui. Effacé. Il se lève et dit, celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre contre elle. Du plus grand au plus petit, ils se sont tous... Une seule parole. Hein. Il s'est baissé de nouveau. Il écrivait. Il est terrible. Il ne crie pas. Il ne parle pas trop fort. Il agit. Hé hey! Alléluia! Wow! Hein? Ouh. Une femme comme toi, ma soeur, une femme comme vous, mes soeurs, une femme comme vous, perdant son sang depuis l'âge de 12 ans. Pas pendant 12 ans, depuis l'âge de 12 ans. Ah, oh, elle entend parler du Mashiach, la lumière du monde. Waouh! Elle dit, si je touche seulement le pan de sa robe, même pas son pied, hein, le pan de sa robe. Une robe qui a touché le corps du Mashiach est dangereuse. Ce n'est pas le Saint-Sueur, là. Elle a touché instantanément, guéri. Ne me touche pas moi, tu n'auras rien. Si je touche, rien. Une femme est venue me voir un jour, prie pour moi, touche-moi, je ne touche pas les femmes. Seul le Seigneur peut toucher les cœurs. Alléluia! Oh Seigneur! Regarde, tu n'as pas vu? Il t'a touché. Même quand tu fais marche arrière, là, tu reviens toujours. Tu es prisonnier. Tu n'as pas le choix. Tu as déjà goûté. On a déjà goûté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu es cuit. Tu as goûté. C'est trop tard. Tu es en prison. Tu es enchaîné. Tu es un prisonnier qui s'ignore. Hein? Tu te balades. Tu prends le métro. Tu dis, je fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es enchaîné. Hein? Tu pars. Tu reviens. Tu reviens. Tu es en colère contre lui. Je reviens encore, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui. T'as pas vu? Même les gens te disent, mais t'es bizarre, toi. Mais attends, mais t'es bizarre. Le Seigneur. Et il vient avec cette belle robe te chercher, toi. Quelle grâce. Il va appeler chacun par son nom. L'enlèvement, c'est ça. Hein? Chacun va entendre son nom. Bah oui, quand on te réveille, c'est comment là? Maman, lève-toi. Ah! Hein? Il appelle chacune de ses bruits par quoi?
par leur, chacune par, à son nom, par son nom. Hein. Bah oui, tu vas entendre ton nom lors de l'enlèvement. Et il faut t'assurer que ton nom est écrit là-haut. Hein. Moi, je suis convaincu que mon nom y est. Ça, c'est ma conviction. Ce n'est pas de l'orgueil, je suis convaincu, frère. Ah, comment? Comment? Alléluia! Tiens, ton voisin, mon nom est écrit là-dedans. Mmh. Ouf. Quand on va monter, on va laisser bye bye la Russie. Bye bye les bombes nucléaires. Bye bye les élections dans ce monde. Frère, on va être avec Abraham, Isaac, tout ce monde. Vous vous rendez compte? Ah, Père Abraham, bonjour. Comment ça s'est passé là-bas, Mésopotamie? Hein? Père Isaac, c'était comment? Père Jacob. Ah, il y a Paul là-bas. Frère, ça va être des retrouvailles. Hein? Ah, il y a Pierre. Il y a Paul. Tu as dit Paul. Hein? Tu as dit quoi? Tu as dit Pierre. Moïse aussi. Alléluia. Joël, Habakkuk, tout ça là. On va les voir tous. On va. Frère, ça va être la fête. Vous vous rendez compte, la fête au ciel. On ne va pas s'ennuyer. Hein? Fête, danse, matin, midi, soir. La fête sur fête. Sur les montagnes, fête sur fête. Hey! On aura des sandales terribles. En or. Frères et sœurs. Alléluia. Des robes toutes blanches, frères et sœurs. Des couronnes pour ceux qui ont souffert. Alléluia. Pour ces jeunes femmes qui ont tenu ferme. Des couronnes pour ces jeunes femmes qui ont dit non à l'impudicité. Ces jeunes hommes qui ont dit non à la convoitise. Non. Couronne. Ouf. Ceinture d'or autour de la poitrine. Mes amis. Il y a des guitares là-bas qu'on ne trouve pas sur terre. Des mangues qu'on n'a pas sur terre. Mangues bio. Hein? Des bananes qu'on n'a pas ici, frère. Quand tu prends la banane comme ça, tu l'oses, ça chante. Frère et soeur, alléluia! Frère, il n'y a pas africain, européen là-bas. Il n'y a pas asiatique, il n'y a pas, oh non, moi je suis colombienne, tout ça. Non, c'est fini. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il n'y a plus de grossesse, oh non, la grossesse, fini ça. L'hiver, c'est, le printemps, c'est, l'été, c'est, fini, on ne va plus dormir. Vous vous rendez compte, l'éternité sans dormir. Fête sur fête. Hein? Sur terre, en Israël, il y avait 7 fêtes de Yahweh. Donc, tout, Elohim aime la fête. Je vous dis, les Juifs mangeaient, dansaient pendant les fêtes de Yahweh. Mais c'est un avant-goût du ciel. Là-haut, je vous dis les mélodies qu'on n'a pas sur terre. Hein? Frère, il y a des danses terribles. Vous croyez qu'on va s'ennuyer là-bas, là? On vous donne un avant-goût du ciel. Alléluia! Frère, on va grimper sur le trône. Allez, venez mes enfants, on va grimper comme ça, on va s'asseoir, papa, on va voir son visage. Ses yeux, comme les cheveux, on va caresser les cheveux comme ça. Là. Les anges n'ont pas cette grâce-là. Nous, le trône, on va s'asseoir dessus parce que nous sommes des enfants. Nous sommes des fils et des filles. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? On va se promener sur les planètes que le Père a créées. On va se promener, on va planer comme des aigles. Moi, je vous dis, je fais de l'aigle. Du dauphin. Tu montes sur un dauphin comme ça, tu rentres sous l'eau, tu vas respirer. Hein? On va parler avec les animaux. Au ciel, là-bas, il y a tous les animaux. Il y a des animaux qu'on n'a pas sur terre. On va les croiser là-bas. Il y a des fleurs qui chantent au ciel. La pelouse là-bas, mais le gazon, les couleurs sont vraies. Ici, là, c'est la copie, c'est rien, ça. Ça a été perdu, corrompu par le péché d'Adam et Ève. Mais là-haut, là, l'air même, là. Hein? Frères et sœurs, on n'aura plus, il n'y a plus de toilettes, plus de petits coins, tout ça, laver, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de douche, mes amis, c'est fini. On va juste boire l'eau de vie constamment. Waouh! Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça va être magnifique. On va voir le visage du Créateur, son visage, tel qu'il est. Tel qu'il est. On va la trapper dans le papa. Quand tu vas fondre, tu vas rentrer là-dedans. Ouh! Hein? C'est pour ça qu'il faut l'aimer. C'est pour cela qu'il faut tenir. Il ne faut pas baisser les bras jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas loin. On est plus loin.
C'est juste quelques secondes, le frère et soeur. Et c'est le départ. C'est fini. C'est le départ. C'est le... Vous regardez tout ce qui nous... Ils nous observent. Hein? Ceux qui nous ont précédés là. Comme Hébreux 11 le dit. Les héros de la foi qui sont là. Voilà! On y va! On y va! Frère, debout. Chrétien, debout. Jusqu'au bout. Faisons l'œuvre du Père. Jusqu'au bout. La mission jusqu'au bout. L'œuvre jusqu'au bout. Pour finir, on a reçu un message tout à l'heure. On a envoyé, le Seigneur a permis qu'on envoie un conteneur quelque part, dans un pays africain. Le président sera là lors de la réception du conteneur. Il sera là. Première dame, là. Gouvernement, là. Je vous assure, on va bombarder la parole. J'ai eu la première dame qui a appelé. Elle a appelé, j'étais dans l'avion pour Kino. Elle a appelé, rien. Là, je rentre comme ça, avant-hier, mon téléphone sonne. Tac. Elle dit, on est impatients de vous recevoir, on vous attend. La parole. Le Seigneur avait dit quoi? Des présidents allaient toucher, non? On ne fait pas de la politique. Hein? Mais dans la Bible, c'est biblique. Frère, c'est biblique. Président, c'est un être humain. Il a dit prêcher la parole à toute la création. Je vous dis, on va donner des conseils. Voilà ce que la parole dit, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Voilà ce que le Seigneur dit, monsieur le ministre de l'Intérieur. Policier, glorieux, frère, la parole. Le maître vient. On était au Congo, des gens touchés de toutes sortes. Une femme, le Seigneur dit, une femme ici qui a une oreille, qui n'entend pas, une oreille qui... Tac, la femme se lève comme ça là. Prière, ta, guérie instantanément. Sur place. Une maman qui vient, elle était presque mourante, tout ça là. Prière, tac, madame se lève. Son fils lui a dit, maman, on va au programme, allons au programme. Elle hésitait. Le fils dit, maman, s'il te plaît, allons-y. La femme arrive comme ça là. Frère. Elle est rentrée, elle a du mal à marcher, la gloire tombe sur elle, elle se lève comme ça, guérie. Et le Seigneur fait une offrande, donnez, argent de commerce. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait une émission à la chaîne nationale. Ça fait des années que je ne voulais plus. Je dis, faut venir. On a fait une émission en direct un matin. Dimanche, c'est dimanche matin je crois. Non, pas dimanche matin. Samedi ou vendredi matin. Frère, c'était magnifique. La journaliste. Le Seigneur lui a dit, mais c'était. Elle dit, non, elle m'a viré. Elle dit, on va refaire l'émission une autre fois où tu vas parler de ces choses-là. Mais le Seigneur a ta. Et tu vois les autres journalistes, ah, c'est sur la parole. Il faut repousser les jours, tout ça. Non, le Seigneur dit, comme tu as lâché des bombes, sauve-toi. Alléluia! Dites-moi, la parole! Qui va aller jusqu'au bout de la mission? C'est comme si tu avais le choix. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te bénissons pour ton œuvre. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour l'évangile qui nous libère, qui nous restaure. Merci pour ces cœurs que tu restaures, Seigneur, Père notre Roi. Nous voulons achever la mission proprement, correctement. Nous voulons t'honorer. Nous voulons faire ta volonté, et rien que ta volonté. Quelles que soient les épreuves, les combats, les difficultés, nous voulons honorer ton nom, Seigneur. Père, fortifie chacun de nous afin que ton nom soit élevé. Père, remplis-nous de ta foi, de la foi, Yeshua, la foi que tu avais en tant qu'homme envers le Père. Que notre foi soit restaurée. Toi qui pleures, toi qui pleurais, toi qui étais découragé, le Seigneur ce soir te restaure. Ce soir, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te libère de la mort. Quelqu'un ici, le Seigneur le libère de la mort. La mort s'en va définitivement de ta vie. Cette mort qui ronge ton corps physique, le Seigneur te libère de la mort maintenant. La mort s'en va, tu vois ma soeur. La mort s'en va, cet esprit de mort qui est rentré dans ton âme. Sors de là. Voilà, je ne vais pas t'entendre. Sors de là, lâche-la. Tu vas quitter sa vie. Elle n'a pas fini la mission. Au nom de Yeshua. Allez, tu sors de là. Voilà, tu rentres, tu sors. Sors de là. Au nom de Yeshua, alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta joie, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur.
quelqu'un ici, le Seigneur te dit qu'il est fidèle. Fortifie-toi et prends courage. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Lors de ta conversion, souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit. Les songes que tu as eus. Quelqu'un ici, le Seigneur te rappelle toutes les visions qu'il t'a données lors de ta conversion. Toutes les paroles que tu as données au Seigneur, que tu as dites au Seigneur. Le jour où tu as pleuré, le jour où le Seigneur t'a touché, tu pleurais. Et tu as continué à pleurer chez toi. Le Seigneur te dit, souviens-toi. Tu as continué à pleurer chez toi, dans ta chambre. Tu as continué à pleurer. Toute la nuit, tu as pleuré. Et le Seigneur a restauré ta vie. Et depuis, il y a comme, n'est-ce pas, une lassitude, comme si tu as baissé les bras à cause des combats, des épreuves. Et ce soir, le Seigneur te rappelle à l'ordre. Tu dois revenir à ton amour, à ton premier amour. Comment tu criais partout que le Seigneur revenait. Il faut continuer, il faut reprendre cette course. On a Yeshua, notre maître. Père, merci. Merci pour toutes ces guérisons que tu accordes à tes enfants. Merci pour la force que tu renouvelles dans nos cœurs, dans nos vies. On a Yeshua. Gloire au Seigneur. Qui sont ceux et celles qui veulent prendre leur baptême ce soir? Gloire au Seigneur. Ceux qui veulent prendre le baptême, venez. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Ça va? Alléluia. C'est la première fois que tu viens aussi? Qui t'a invité? Ok. Waouh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre frère aussi qui va prendre son baptême. C'est une grâce. Waouh, notre sœur. Alléluia. Magnifique Seigneur. Oh, une autre sœur. Alléluia. Waouh, une autre sœur. Waouh, Seigneur. Alléluia, une autre sœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Waouh. 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 Tu es magnifique, Seigneur. Waouh, quelle grâce. Mon frère Paul, viens, Paul. Anthony fidèle. C'est moins 4, hein? 5. Waouh, quelle grâce. Voyez, le Seigneur est en train d'attirer des âmes, non pas dans un bâtiment, mais au ciel. Ça, c'est une grâce. Mon frère Mourad et Paul, vous allez prier pour. On va prier pour nos bien-aimés. On va déjà préparer là-bas pour le baptême. Fidèle, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Mon roi. Fidèle. Fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle.
Merci pour toutes ces âmes que tu sauves. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Maranatha, 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 Maranatha. Merci. Merci pour ta grâce. Merci. 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 Un temps de restauration. Un temps de restauration pour toi aussi. Aurélie, le Seigneur a vu. Sa justice sera exercée plus tôt que tu ne le penses. Plus tôt que tu ne le crois. Oh Seigneur. Oh, tu es magnifique. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Oh, Seigneur. Oh, Père, merci. Tu n'es pas seul, te dit le Seigneur. Oh, magnifique, Seigneur. Tu es sa perle, te dit le Seigneur. Sa perle. Il te connaît plus que tu ne le crois. Il va essuyer tes larmes. Il va répondre à ta prière. Cette chose, cette prière qui monte devant son trône. Et ce temps, c'est un temps nouveau pour toi. Oh, bientôt, tu vas voir cette justice du Seigneur, cette réponse dans la famille. Alléluia. Le temps nouveau arrive. Le Seigneur dit, fortifie-toi aussi. Fortifie-toi. Il voit tes larmes aussi. Il voit tes larmes. Il y a une restauration dans la famille qui arrive, des guérisons qui arrivent au nom de Yeshua, alléluia. Oh, waouh, il est ton époux, dit le Seigneur.
Oh Seigneur, magnifique Seigneur. Le Seigneur te donne la santé. Oui, fortifie-toi. Waouh, soyez fortifiés, encouragés. Oui, waouh, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux confesser? Oui. Tu veux confesser quoi? La colère. Il y a des années, nous sommes venus ici, ma fille et moi, et elle est venue se confesser pour la colère qu'elle a à mon égard. Et vous avez demandé à ce que sa mère vienne. Et on était au 24, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je n'ai pas bougé. Et là, le malin est passé entre ma fille et moi, il y a eu la séparation. Mais seulement que Satan était menteur. Et aussi, lamentation, beaucoup de lamentation et l'idolâtrie. Donc, je voudrais demander pardon au Seigneur pour cela. Alléluia. Oh, Seigneur, sois libéré. On a dit Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est bon, c'est réglé. Tu veux quitter la sorcellerie? Qui veut abandonner la sorcellerie? Qui veut arrêter avec le diable? Qui? Je travaille avec des enfants et chaque jour, j'ai des songes. Ou soit on me poursuit dans mes songes, on me donne à manger et aussi... Est-ce que tu manges? Oui. Et je demande toujours au Seigneur, Seigneur, je refuse que mon âme serve à Lucifer. Je vais demander pardon au Seigneur, c'est réglé. Amen. Yeah. Yeah. Mmh. La sœur. Oh, ça va? Oh, alléluia. Tu veux parler, non? Tu veux parler, hein? Tu as beaucoup de questions? Oui, j'ai beaucoup de questions. Beaucoup on va savoir tout à l'heure. Oh Seigneur, souviens-toi d'elle. Oh, il y a une belle présence du Seigneur sur elle. Oh, oh, une belle présence du Seigneur sur toi. Cette onction du Saint-Esprit. Oh, ça va? Oh, alléluia, lève-toi, 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 on va prier pour toi. Le Seigneur t'aime, tu vas beaucoup parler de sa part. Alléluia. Oh Seigneur, souviens-toi d'elle. Au nom de Yeshua. Magnifique Saint-Esprit. Oh. Oh. Viens, viens, viens. Oh Seigneur, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te connaît mieux que personne. Il veut se révéler particulièrement à toi et essuyer tes larmes. Tu as vu la méchanceté des hommes, tu as vu le cœur dur de l'être humain. Et le Seigneur veut, n'est-ce pas, guérir ton cœur, ton âme. Il te connaît mieux que personne. C'est lui qui t'a convoqué ici, parce qu'il avait cette parole pour toi. Il veut changer ton histoire, complètement ton histoire. Ton cœur a été beaucoup blessé, beaucoup cassé. Et le Seigneur était là. Il a vu. Mais je te dis que je sais tout ce que tu as traversé, tout ce que tu vis. Il veut vraiment être ce père pour ta vie, complètement changer ton histoire. Et tu repartiras d'ici complètement métamorphosé, transformé pour sa gloire. Alléluia. Oh, le Seigneur la connaît. Le Seigneur la connaît. Alléluia. Oh, magnifique Saint-Esprit. Magnifique Seigneur. Ouh. Okay. Venez. Toutes les quatre, venez. Il y a quelque chose pour vous. Oh Seigneur, aidez-la. On a presque fini, hein. Quelque chose là. Oh. Il y a comme une pluie, tout ça là. Viens. Oh, le Seigneur, vous allez beaucoup être utilisé par le Seigneur pour toucher les cœurs. Le Seigneur a vu aussi cette blessure. Le Seigneur dit là, tu es sa guerrière que l'ennemi a voulu détruire. Mais il s'est trompé d'adresse et le Seigneur te dit, ta mission n'est pas finie, ma fille. Alléluia, je te connais mieux que personne. Oh, alléluia, gloire au Seigneur, tu vois. Oh, Seigneur, tu vois la présence du Seigneur. Il va toucher cet homme aussi, là, tu vas voir la puissance du Seigneur se manifester. Alléluia. Oh, magnifique Seigneur. Oh. La guérison, la délivrance, c'est dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Voyez la présence du Seigneur. Oh, pour votre vie, pour la famille. Oh, alléluia, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Prie pour elle. Confession. Oh, aidez-la. Tu vois la présence du Seigneur sur elle. Oh, alléluia. Elle est là, Tracy, elle n'est pas là, elle est là. Oh, le Seigneur te connaît, ouais, c'est la délivrance de la famille. Tu veux confesser quoi? En fait, ce qui m'est arrivé depuis un an, tous les problèmes, de la chose qui me poursuivait, tout ça, c'est, j'ai vu une vidéo sur un réseau social, ça peut servir pour les jeunes aussi. Cette vidéo, elle dit, pensez à un truc que vous ne voulez plus subir dans votre vie.
Et moi, comme ça fait 13 ans que j'étais toute seule, ben, je souffrais de la solitude. Et je dis, je ne veux plus jamais souffrir de la solitude. Je dis, même si c'est un jean ou quoi, je ne veux plus souffrir du manque de la vie, de la solitude. Et depuis, ben, j'étais attaquée, j'ai commencé à être attaquée. Mais moi, dans ma tête, j'avais oublié. Je n'ai pas pris compte de cette chose. Tu veux confesser quoi ? Bah que après, c'est là que les problèmes ont commencé la nuit. J'étais attaquée par des maris de nuit. Et jusqu'à ce que bah, s'ils arrivaient à aboutir, bah, je perdais mon sang. Et ça ne finissait pas. Et okay. Je devais témoigner et confesser par rapport à ça. Gloire au Seigneur, prie pour elle. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Père. Au nom de Yeshua. Oh, il y a la restauration. Là. Il y a la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Il y a quelque chose sur elle. Aidez-la, il y a une onction sur elle, tu vois. Et l'esprit opère dans sa vie. Une belle présence du Seigneur. Viens, ma soeur. Fini. On le dit au choua. Fini. Fini. Qu'est-ce qui se passe? Je veux rendre grâce à Dieu pour ma guérison. Parce que l'ennemi doute. Il se sert des gens pour me poignarder encore. Parce qu'ils ont vu que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ils sont jaloux. Oh. Tu es Petros et sur ce rocher je bâtirai mon assemblée. Tu aimes le Seigneur. Ne prévaudront pas. Alléluia. Parce qu'ils ont essayé de me sacrifier plusieurs fois. Ça ne marchera pas. Si tu crains le Seigneur. J'entendais quelque chose couler comme du sang d'un coup, un poulet ou je ne sais pas quoi. Si tu crains le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Amen. Ça va? Tu es baptisé? Oh, le Seigneur t'aime, viens. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. C'est ton jour, oui, c'est ton jour. C'est lui qui t'a amené ici, le Seigneur, parce qu'il veut changer ton histoire aussi, jeune femme. Le Seigneur a vu tes combats, tes larmes, tes difficultés. Et il veut changer tout ça, là, tu vois. Il veut changer tout ça parce qu'il te connaît. Il y a un miracle pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. C'est pour ça que tu es venu ici, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oh, Seigneur. Voilà la délivrance. La puissance de la mort est renversée aujourd'hui même. Aujourd'hui même, le Père t'aime. Tu vois, il t'aime le Seigneur. Ouais. Magnifique Seigneur. Oh. Waouh. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Vendredi, la veillée, c'est bon là? Vendredi prochain? C'est vendredi prochain, hein? Vendredi prochain, ouais. Donc on va chercher une salle. Et à Savine, le temple. Voilà. Donc toute la semaine, là, priez pour ça. Et puis on vous donnera les informations. Et si on n'en a pas trouvé, ben je crois qu'on pourra en trouver. Sinon, on va se... Frère. T'as un problème de dos. Sciatique aussi. Vous pensez que le Seigneur peut le guérir là? Est-ce que nous pouvons le guérir? Non. Tu es baptisé, mon frère? Ici même. Oh ben. Oh. Oh Seigneur. Oh. C'est ça. Voilà. Alléluia, alléluia. Il a pris nos maladies. Alors, voilà. Sciatique, c'est un nom. Hein? Sciatique est un nom. Voilà. Voilà, c'est... Ça se passe. Voilà. Voilà, c'est... Je voudrais aussi une Bible. Tu veux aussi une Bible? Avec une grande... Il y a des grands caractères. Oh, il n'y a pas de problème, frère, c'est gratuit. T'as ça aussi? Ah ben ça c'est... Ben ça va sortir encore là, on va... T'as un problème? C'est un nettoyage, un lavage. Voilà. C'est bon. Voilà. On a fini. Tu veux dire quelque chose? Pour ton cœur. Qu'est-ce qui se passe avec ton cœur? Il va pas régulièrement. Vous pensez que le Seigneur peut libérer la sœur de... Touche ton cœur, touche ton cœur, ton avis. Oh, tiens, prie pour elle. Tu as un don de guérison, tu vas voir. Alléluia. Ouh, prie pour elle, il y a l'onction qui est sur toi là. Ouh, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport au suicide, oui. En fait, j'avais choisi ma date de décès. Oh. Et j'ai voulu me suicider. Enfin, j'ai pas fait de tentative, mais j'y pensais.
Sauf que, en fait, quand j'étais en détresse, j'appelais SOS suicide, sauf qu'il n'y avait personne. Donc, je me suis dit, ah, donc là, si je veux me suicider, bah, il n'y a personne pour moi. Sauf que, bah, si, je devais parler au Seigneur, en fait. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que on aura beau se confier à l'être humain, c'est pas ça qui va nous sauver. Ce qu'il faut en fait, c'est toujours s'accrocher au Seigneur et chasser tout esprit de suicide et de mort en nous. Et je sais que je parle à plusieurs personnes ici. Du coup, prenez courage, accrochez-vous à ce que le Seigneur vous a dit lorsque vous vous êtes converti. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et bien là, c'est bon. Oui, c'est bon. Plus date de suicide là. Ouh. Ah ben gloire au Seigneur. Tu veux qu'on prie pour toi ou c'est bon? Alléluia. Oh, ben, c'est magnifique, toi. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? C'est la question qu'il me pose. J'aimerais que le Seigneur continue à me guider. C'est beau, ça. Elle n'a pas demandé. Ouh, Seigneur. Voilà, voilà. La puissance du Saint-Esprit sur elle. On acclame le Seigneur pour cette onction du Saint-Esprit. Cette onction du Saint-Esprit, magnifique Seigneur. Waouh! C'est beau, hein? C'est beau ça. C'est magnifique. Ça va toi? Tu persévères, hein? Magnifique. Oh, ouais, le Seigneur la restaure, la guérit, la remplit. Oh, tiens, viens. Magnifique Seigneur. Seigneur l'aime beaucoup. Elle a bien blouse toute blanche. Elle va. Ouh. Oh, oh, oh. Le Seigneur ouvre son intelligence. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique. Elle va soigner beaucoup de gens. Elle a le Seigneur. Ouh, alléluia. Tu vois? Cette présence du Seigneur pour restaurer toute la famille. Oh, alléluia. Et le Seigneur te confirme encore ton fils servir le Seigneur. Ouais. Ouais. Voilà. Oh, c'est magnifique ça, c'est magnifique, magnifique, magnifique. On peut se lever. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme. Oh!
Oh Yahweh, oh Seigneur, sois béni papa, merci pour ta présence, merci pour ta présence Seigneur, merci, merci Seigneur, oh Seigneur merci, oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Père, sois béni Adonai, sois exalté. Oh Adonai, béni sois-tu. Alléluia. Oh oui, tu es vivant, Seigneur. Oh oui. Thank you.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Est-ce que Yeshua peut être acclamé? Il est digne, il est digne. Il est digne d'acclamation. Merci Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc vous aurez des informations pour vendredi, du souper. Et pour ceux qui veulent soutenir la mission, il y a des paniers qui sont là.